ensemble. Je dis shalom à toute la famille. Bien-aimés, soyez tous bienvenus dans ce programme de ce soir. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur l'abondance. Yes, je veux vivre l'abondance. Je veux voir l'abondance par le nom puissant de Jésus. Et l'abondance va se passer dans ma vie. Je suis dans la foi. Voilà, bien-aimés, ce que nous sommes en train de voir. Voilà, bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire ce soir. Je suis dans la foi que le Seigneur va visiter ta vie. Alors, bien-aimés, aide-nous à partager cette vidéo. Toi qui te connectes, connecte-toi et partage le vidéo. Notre thème de la prière, c'est encore l'abondance. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Nous allons nous connecter dans la prière et nous sommes en train d'invoquer l'esprit de l'abondance. Nous sommes en train d'invoquer l'esprit de l'abondance et l'abondance doit venir dans la vie de quelqu'un par la foi en Jésus. L'abondance doit venir dans la vie de quelqu'un. Voilà ce que nous sommes en train de faire et nous les faisons par la foi en Jésus. Bien-aimés, je vous salue, vous tous qui vous connectez ce soir. Je suis dans la foi que Dieu va faire quelque chose. Ma foi est que le Seigneur va faire quelque chose. L'abondance va descendre. Alors, aide-moi à partager, toi qui te connectes déjà, aide-moi à partager cette vidéo. Partage avec un frère. Partage avec une sœur pendant que nous sommes en train de démarrer. Aide-moi à partager cette vidéo pour qu'un frère, une sœur puisse se connecter avec nous pour voir ce que notre Dieu a pour nous. Par le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Ce soir encore, tu vas nous parler. Ce soir encore, tu vas parler dans nos vies. Ce soir encore, tu vas te montrer. Ce soir encore, tu vas te manifester. Je la foi que le Seigneur va se manifester ce soir encore une fois. Yes, papa, nous te bénissons. Papa, nous t'adorons. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'adorons. Nous sommes dans la foi que tu vas te montrer. L'abondance de Dieu va se montrer. Nous sommes dans la foi au nom de Jésus que nous allons vivre de l'abondance. Nous sommes dans la foi au nom puissant de Jésus que nous allons voir l'abondance. Par le nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons. Papa, nous t'adorons. Seigneur, le Dieu de l'abondance. Nous te bénissons, toi, le véritable Dieu d'abondance. Ô Seigneur, envoie ton abondance. Envoie l'esprit d'abondance. Ce soir, pendant hier, c'est l'abondance des révélations. Je le réclame au nom puissant de Jésus. L'abondance des révélations. L'abondance des révélations par le nom de Jésus. L'abondance des révélations par le nom puissant de Jésus. L'abondance des révélations par le nom puissant de Jésus. Nous les réclamons ce soir au nom puissant de Jésus. Rebarabouchi, Seigneur, donne ton rebasso rebashinda. Ô Seigneur, nous réclamons ton abondance par le nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons ton abondance. Yes, l'abondance en esprit. Bien aimé, je suis en train de partager. Aide-moi aussi à partager ces vidéos pour qu'un frère, une sœur puisse se connecter et être béni ce soir. L'abondance du Seigneur va se faire voir et je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom puissant de Jésus. L'abondance du Seigneur va se faire voir. Ce soir, on va vivre l'abondance. Ce soir, on va voir l'abondance. Je la foi en Jésus. Quelque chose va exploser. Quelque chose va exploser au nom puissant de Jésus. Je la foi en Jésus. Quelque chose va exploser. Yahweh, nous sommes en train de prier ton Seigneur. Yahweh, nous sommes en train d'invoquer. Je dis shalom à ma fille Fanny Ewele. Sois bénie Fanny par le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. L'abondance de Dieu va visiter la vie de quelqu'un. L'abondance du Seigneur va visiter la vie de quelqu'un par le nom puissant de Jésus. L'abondance du ciel va visiter la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier ce soir. Envoie l'abondance au Seigneur, la pluie de l'arrière-saison. La pluie du premier jour de la saison. Nous allons recevoir ces choses
Au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, envoie l'abondance. Seigneur Jésus, envoie l'abondance. Par le yes, j'attends le plus de l'abondance. Ce soit le plus de la brodé. Il y aura la pluie dans tout côté, dans toute saison. La vie de quelqu'un va exploser. Par le nom puissant de Jésus, la vie de quelqu'un va exploser. Yes, par le nom puissant de Jésus, Yahweh, nous sommes en train de t'invoquer ce soir. Nous sommes dans la foi au nom puissant de Jésus. Le véritable Dieu va répondre avec l'onction. Le véritable Dieu va bénir quelqu'un par l'onction. L'onction, yes, il met l'huile sur ma coupe. Il met l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Cela va déborder. Cela va déborder. Par le nom de Jésus, cela va déborder. Par le nom de Jésus, cela va déborder. La pluie de la bénédiction va déborder. Par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi. Oh non, puissant. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un ce soir. Le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un ce soir. Avec l'abondance. Avec l'abondance. Le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un ce soir. Avec l'abondance de son rabot. Avec l'abondance de son Seigneur. Le Seigneur Varabo, Rekerabo, Sekarabo, le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un ce soir avec l'abondance de son Saint-Nom. Yes, quelque chose va se passer. Voilà notre foi de ce soir. Voilà notre prière de ce soir. Ô Seigneur, nous sommes dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Yeah, bien-aimé, nous démarrons avec notre culture. Notre culture clé de cette semaine nous vient du livre de Jean 10, 10. Notre écriture clé de la semaine nous vient de Jean 10, 10. Nous allons lire Jean 10, 10, ce que la Bible nous dit. Yaro kereba shoboro. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Dans mon esprit, il y a déjà l'abondance. Dans mon esprit, il y a déjà l'abondance. Merci Seigneur Jésus pour l'abondance. L'abondance que tu nous donnes. L'abondance que tu nous envoies. Nous recevons l'abondance. Nous recevons l'abondance. Nous recevons l'abondance. Au nom de Jésus, nous recevons l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Oh yes, bien-aimé, je vais lire. Jean 10, 10. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu en fait que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Merci Seigneur pour l'abondance. Je dis merci Seigneur pour l'abondance. Yes, comme un brebis du Seigneur. Je veux que tu puisses déclarer ce soir que tu es candidat pour l'abondance. Je veux que tu puisses déclarer ce soir que tu es candidat pour l'abondance. Le Seigneur, dans Jean 10, 10, il nous dit ceci clairement. Moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Et toi, comme brebis de Jésus, tu dois dire, Seigneur, je veux cette abondance. Je veux l'esprit de l'abondance. Je désire cet esprit. Je désire l'esprit de l'abondance. Au nom puissant de Jésus, comme un brebis du Seigneur, je désire l'esprit de l'abondance. Je désire l'esprit de l'abondance. Ô Seigneur Jésus, visite ma vie avec l'abondance. Ça devient ta prière. Tu dois prier et tu dois lui dire parce que Jésus-Christ vient avec l'abondance pour toi. Alors ne rejette pas ce que Jésus t'amène. Si tu rejettes ce que Jésus t'amène, tu vas te retrouver dans le désert. Si tu rejettes ce que Jésus t'amène, tu vas te retrouver dans le désert. Jésus-Christ vient chez toi. Il dit, je viens avec l'abondance. C'est pourquoi nous prions cette semaine sur l'abondance. Quelqu'un va me dire, homme de Dieu, je veux vivre l'abondance dans ma vie.
Homme de Dieu, je veux être touché par l'abondance dans ma vie. Homme de Dieu, je veux que cela se passe. Je veux que cela se passe dans ma vie. Yes, bien-aimé, je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier selon la parole du Seigneur. Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Que tu sois dans l'abondance. Je prie avec quelqu'un et je dis que tu sois dans l'abondance, que l'abondance de Dieu entre dans ta vie, que l'abondance de Dieu entre dans ta vie. Yes, que l'abondance de Dieu entre dans ta vie. Ce soir, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de dire non à la sécheresse, non à la... Oui, qu'est-ce qui apporte l'abondance? C'est la pluie. Qu'est-ce qui apporte l'abondance? C'est la pluie de la parole. Qu'est-ce qui apporte l'abondance? C'est Jésus-Christ, l'eau de la vie. Il est l'eau de la vie. Voilà pourquoi il est venu apporter la vie. Il est l'eau de la vie. David nous dit, je répète, cette semaine, je prie pour l'abondance dans la vie de quelqu'un. David nous dit, il verse l'huile sur ma tête et ma coupe de bord. Que l'huile de Dieu soit déversée sur ta tête. Que l'huile de Dieu soit déversée sur ta tête. Et que tu puisses vivre l'abondance au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu soit débordée sur ta tête. Que le Seigneur, dans l'huile de Dieu, nous avons la guérison dans l'huile, la guérison pour l'esprit, la guérison pour le corps, la guérison pour l'âme, la guérison pour le cerveau. Quand on devait avoir un nouveau roi, un prophète devait venir et mettre l'huile sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'avec l'huile, ça devient l'autorité. L'huile t'aide à diriger. L'huile t'aide à diriger. Quelqu'un ce soir, tu vas trouver l'autorité que tu as perdue. Par le nom de Jésus, je suis en train de lier dans la vie de quelqu'un tous les démons qui sont venus voler ton abondance. Parce que le diable ne vient, je remets l'écriture. Je remets l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Jean 10, 10. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Le diable qui est l'ennemi, il vient seulement pour voler. Dérober, égorger et détruire. Voilà ce que l'ennemi vient faire. Mais chez toi, tu vas déclarer ce soir, oh mon Dieu, tous ceux qui sont venus voler dans ma vie, tous ceux qui sont venus voler les histoires dans ma vie, qu'un feu le brûle, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont volés dans ma vie, je suis en train de les lier et je le chasse. Je les lie, je le chasse, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus, le voleur, quelqu'un, tu dois prier, tu dois te connecter avec l'onction ce soir. Tu dois connecter à cette onction ce soir et tu dois arrêter les voleurs de ta vie. Tu dois l'arrêter. Tu dois dire, toi voleur dans ma vie, je t'arrête ce soir au nom de Jésus. Toi voleur dans ma vie, je t'arrête ce soir au nom de Jésus. Toi voleur dans ma vie, je t'arrête ce soir au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Jésus commence à arrêter tout le voleur dans ta vie. Que l'onction de Dieu commence à arrêter les voleurs dans ta vie. Le voleur qui vient te voler tes histoires. Le voleur qui vient voler tes histoires. Que le Seigneur les arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient tous arrêtés. Ce soir, par le nom puissant de Jésus. Je commande
à tout le voleur dans ma vie de partir en prison. Je commande à tout le voleur dans ma vie de partir en prison. Je suis en train d'arrêter. Tu pries avec moi. Prie avec moi là où tu es. Prie avec moi là où tu es au nom de Jésus. Il y a l'onction ce soir pour arrêter le voleur. Il y a l'onction ce soir pour arrêter le voleur. Il y a l'onction ce soir pour arrêter le voleur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Arabo, Sikarabo, j'arrête le voleur. J'arrête le voleur. J'arrête le voleur. Au nom puissant de tous les voleurs dans ma vie. Ceux qui sont venus voler dans ma vie. Yes, bien-aimé, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, la vie, dans ta vie, quand tu vois que ces choses se passent, la plus 99%, 99% de fois quand quelque chose dans ta vie est dérobé, égorgé ou détruit, c'est l'ennemi, c'est les voleurs, c'est les diables, ce sont les démons. C'est soit pendant que tu es connecté, laisse-moi déclarer dans ta vie un feu pour détruire le voleur. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus, un feu pour détruire le voleur. Bien-aimé, aidez-moi à partager ces vidéos pour bénir la vie de quelqu'un. Aidez-moi à partager ces vidéos pour bénir la vie de quelqu'un. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de déclarer un feu contre le voleur. Un feu contre le voleur. Un feu contre le voleur. Au nom de Jésus, tous les voleurs dans ta vie, on le brûle au nom de Jésus. Connecte-toi à l'onction. Connecte-toi à l'onction. Et prie ce soir avec moi. Je déclare dans la vie de ce... quelqu'un va vivre l'abondance. Quelqu'un va vivre Robachada. Je suis en train d'écouter le bruit de l'eau qui va toucher quelqu'un ce soir. Je suis en train d'écouter dans mes oreilles du prophète le bruit de l'eau qui va altérer la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que la vie de sécheresse termine. 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 Au nom puissant de Jésus. La vie de sécheresse termine. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je le fais ces déclarations dans la vie. Yes, dans vos vies. Pendant que tu es connecté ce soir, l'eau de l'abondance va te toucher. On a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau. Le fermier a besoin de l'eau. Il a besoin de l'eau pour arroser son champ. On a besoin de l'eau pour voir tout ce qu'on a semé grandir. On a besoin de l'eau pour avoir une bonne moisson. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as été dérangé pendant beaucoup des années par la sécheresse. Je commande la sécheresse de brûler. Je commande la sécheresse de brûler. Tu dois voir ta promotion. Tu dois voir ton abondance. Tu dois vivre l'abondance au nom de Jésus. Yes, quelqu'un va me demander, homme de Dieu, pourquoi tu parles de l'abondance? Pourquoi tu parles de l'abondance? Je vais répondre. L'abondance, c'est l'idée de Jésus. L'abondance, c'est l'idée de Dieu. Oh, je sais que nous aimons pleurer. Nous pensons que quand nous sommes dans la disette, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Mais laisse-moi parler à quelqu'un. Laissez-moi parler à quelqu'un ce soir. Jésus-Christ est celui qui vient avec l'idée de l'abondance. Moi, c'est Jésus qui parle dans Jean 10, 10. Moi, je suis venu afin que le brebis aie la vie. C'est ça, ça nous parle de la croix de Jésus. Yes, quelqu'un peut me dire, oh, homme de Dieu, pourquoi tu ne nous parles pas de la croix de Jésus ce soir? Je te parle de la croix de Jésus. Là, c'est la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses avoir la vie. Il est mort à la croix. Il est mort comme un voleur. On l'a cloué, on l'a fouetté, on l'a percé. On l'a fait porter une épine à la tête, à la croix. Et quand lui, il mourait à la croix, il était en train de faire l'échange. On appelle ça une divine échange. Il était en train de changer ta vie, ce qui devait être ta vie. La croix, ça devait être pour toi et pour moi. C'était moi qui devais être à la croix. C'était la broche qui randa borote karabata. Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Il est mort.
Nu, il est mort dans la honte. Il a pris la vie qu'il avait, lui, pour donner les bergers, le bon berger. C'est celui qui met sa vie par terre pour ses brebis. Il a mis sa vie par terre pour mourir pour toi à la croix, lui, afin que toi, tu puisses être vêtu. Quelqu'un va me dire ce soir, je ne sais pas quelle révélation on a mis dans ton cerveau, mais ce soir, reçois cette révélation, que ton cerveau soit dans l'abondance. Quelqu'un prie avec moi, oh Seigneur Jésus, donne l'abondance à mon cerveau, donne l'abondance, un cerveau qui est dans l'abondance, c'est un cerveau rempli de révélations de Dieu, un cerveau qui est dans l'abondance, c'est un cerveau qui est rempli de révélations divines, que les révélations de Dieu commencent à te parler, que les babote karamagorenda shibara, que les révélations de Dieu commencent à te parler, que quelque chose explose dans ta vie, que quelque chose aille, tout ce qui limitait ta vie, tout ce qui limitait ta vie, tout ce qui limitait ta vie, je les commande de brûler au nom de Jésus. Tout ce qui limitait une vie d'abondance dans ta vie, tout ce qui volait, yes, il y a le champ. Les révélations que Dieu te donne, on te les vole avec de mauvaises idées. On te vole, le voleur ne vient que pour dérober. Oui, le voleur peut te dire que pour que tu partes au ciel, tu dois vivre dans la pauvreté. Pour que tu partes au ciel, tu dois être un mendiant. Et il peut te mettre ça dans le cerveau et toi tu prends ça, tu te retrouves pauvre. Tu te retrouves mendiant, tu commences à mendier partout et la disette va te suivre. Et avec dans la disette, tu ne peux pas te mettre debout pour proclamer le nom de Jésus. Sois délivré ce soir. Toi qui es d'Abaraba, qui est contrôlé par ces esprits de limitation, sois délivré. Je suis en train de lier le voleur dans la vie de quelqu'un. Ya broché, pendant que tu es connecté ce soir, laisse-moi lier le voleur dans ta vie. Laisse-moi lier, Rabo Shikarabo, donne-moi l'autorisation délier un voleur dans ta vie. La broche qui rabat pas l'onction de Dieu. Pendant que je suis en train de parler ce soir, que la puissance de Dieu arrête tout le voleur dans ta vie. Que la puissance de Dieu arrête tout le voleur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu arrête tout le voleur dans ta vie. Que tout le voleur dans ta vie soit arrêté. Au nom de Jésus, que tout le voleur dans ta vie soit arrêté. Au nom puissant de Jésus, que tout le voleur dans ta vie soit stoppé. Au nom de Jésus, je libère le feu. Je libère le feu. Et Sababoroshidaba, je libère le feu et je commande dans la vie de quelqu'un. Je commande dans la vie de quelqu'un. Raboche, l'ambiance d'exploser. L'ambiance d'exploser. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Parachokeraba. Parlez-nous, bien-aimé, aidez-moi à partager ces vidéos. Je dis shalom à toute la famille connectée. Je dis shalom à mon frère Jacques Babal. Je dis shalom à toute la famille. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Robé de Shekaraba Sindaraba. Yore Karabo Sekirabo de Shekirabarabondo. Je suis béni par l'oré. Cette parole est en train de travailler dans mon cœur. Cette parole est en train de travailler dans mon cœur. Je dis shalom à Kachalamao. Je dis shalom à Jopin Chamala. Je dis shalom à tous les frères et sœurs dans toutes nos pages différentes. Dis-moi bonsoir, je verrai que tu es connecté, je te dirai bonsoir. Aidez-nous à partager, que tu sois dans l'abondance. Je suis en train de parler à quelqu'un, l'abondance. Je suis en train de parler sur l'abondance. Je suis autorisé par Jésus de parler de l'abondance. Et que cette révélation entre dans le cœur de quelqu'un. Que cette boroboshindara, que la bouche qu'il a, Dieu est le Dieu qu'on sert. Il s'appelle Jésus. Il est le Seigneur, le Sauveur. C'est le Dieu qui donne l'abondance. C'est le Dieu qui donne l'abondance. Que l'Éternel te donne l'abondance. Par le nom de Jésus. C'est le Dieu qui donne la pluie. La pluie, même la pluie de l'arrière-saison. Le véritable Dieu. Il a fait sortir Israël de l'Égypte. Dans l'Égypte, Israël était esclave. L'Éternel les a fait sortir de l'esclavagisme pour les donner un pays qui coule le lait et le miel,
Un pays qui coule le lait et le miel. Voilà la promesse. Nous sommes, quand on te dit que nous servons le Dieu de promesses, c'est ça la base des promesses de Dieu, était de donner un pays qui coule le miel et le miel à Israël. Que le miel entre dans ta vie, le miel dans ton cœur. Quand le miel est dans ton cœur, le cœur qui a été brisé commence à rire. La joie explose. Que le miel, le sucre touche ton cœur. Que le sucre touche ton cœur. Le miel, que ta vie devienne sucrée. Sois bombardé par le miel de la promesse de Dieu. Le perachinda, toi qui es dans le désert, toi qui es dans le désert, refuse le désert. Même le désordre qui est dans ton cerveau, que les déserts tombent, que les déserts tombent. Yes, tu vois, Charles, toi qui vois les déserts, à gauche le désert, à droite le désert, toi qui vois les déserts, je prophétise sur toi l'abondance de l'eau, l'abondance de l'eau. La Bible nous dit quand les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait une pierre qui les suivait. Il y a Brata et la Botia Carabondo et les noms de la pierre, c'est Christ Jésus. La pierre les donnait de l'eau. Que Jésus-Christ te donne de l'eau. Que Babo, pendant que tu es connecté ce soir, que l'eau de la parole te touche. Rabatoure Shababa, pendant que cette eau est en train de te toucher, sois délivré de la sécheresse. Je suis en train de lier les démons de la sécheresse. Le gros démon qui garde ta vie dans le désert, ils doivent te laisser. Ce soir, au nom de Jésus, les gros démons qui gardent ta vie dans le désert, ils doivent te laisser au nom de Jésus. Les Goliaths, les pharaons qui gardent ta vie dans la mendicité, dans la pauvreté, dans l'esclavagisme, je les commande de tomber au nom de Jésus. Je commande broche karama chobronde shiraba. Je suis en train de libérer l'onction ce soir. Retato rabatinda, je suis en train de libérer l'onction ce soir. La vie de quelqu'un doit être béni. Pendant que je suis en train de parler ce soir, l'onction de la parole, l'oshira koromenda shabaradondo, l'onction de la parole doit te toucher, l'onction de la parole doit te toucher, l'onction de la parole doit te toucher au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté ce soir, l'onction de la parole doit te toucher, l'onction de la parole doit te toucher, au nom puissant de Jésus, pendant que tu es connecté ce soir. Wow. Laisse que la parole vient en abondance. La parabole, je parle de l'abondance au nom de Jésus. Je parle de l'abondance qui vient de Jésus. Il est mort à la croix nu pour que tu puisses avoir un habit. Il est mort à la croix nu pour que tu puisses avoir un habit. Il est mort à la croix malade pour que tu puisses être guéri, pour que tu puisses être dans l'abondance de la guérison. Jésus-Christ est mort avec une couronne d'épines à la tête pour que une couronne d'or soit sur ta tête. Si lui, il a porté une couronne des épines, c'est parce qu'il voulait te donner une couronne d'or. Que ta couronne brille, que ta couronne brille, que ta couronne brille. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois accepter l'esprit de l'abondance. Yes, l'esprit de l'abondance est connecté avec l'esprit de la liberté. Quand Dieu disait à Israël que je veux que vous sortez de l'Égypte, je veux Branda Chaboromé, je commande l'abondance dans quel. Il y a quelqu'un connecté ce soir et tu es déjà dans la révélation que l'abondance de Dieu te touche, que l'abondance Yababaro. Je sais qu'il y a des gens que je dois amener avec moi, que je dois monter, je dois faire monter avec moi. Il y a les gens qui sont des hommes de Dieu, tu dois me convaincre. Tu dois, oh Rabarabo, parle l'abondance de la parole.
par l'abondance de la révélation que Dieu m'a donnée, je vais te convaincre avant que la broche rabata kaba, tu vas être convaincu et tu vas dire, oh Dieu, donne-moi l'abondance. Oh mon Dieu, donne-moi l'abondance. Oh mon Dieu, donne-moi l'abondance au nom de Jésus. Raboshia brondesha. Oh Seigneur, donne-moi l'abondance. Éternel mon Dieu, donne-moi l'abondance. Je tababa, répète ce que je suis en train de dire. Même si je ne te dis pas de répéter, là où tu es, tu dois le répéter. Quand je dis, oh Seigneur Dieu, donne-moi l'abondance. Adarabo babara tatatatato. Là où tu es, tu dois dire la même chose. C'est ce qu'on dit connecté à l'onction. Tu dis, oh Dieu, donne-moi l'abondance. Je dis à quelqu'un, l'esprit de la liberté est connecté à l'esprit de l'abondance. Ça se voit clairement en Égypte. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Quand tu es esclave, ça veut dire que même ton nom n'est pas ton nom. Quand tu es esclave, tout ce que tu es appartient à ton maître. Ça veut dire que les enfants d'Israël avaient rien. Mais quand le Seigneur est venu leur parler de la liberté, il ne les a pas parlé de la liberté pour aller les tuer dans les déserts. Non, 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 non. Il les a parlé de la liberté. Il les a parlé, je suis votre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Je suis venu vous donner la liberté. Nous allons sortir de ces pays des mendiants, de ces pays des esclaves. Nous allons partir dans les pays du Canaan, les pays de la liberté, le pays là où il y a l'or, le diamant, l'argent, le pays là où vous allez avoir des maisons que vous n'avez pas construites, le pays là où vous allez avoir des business que vous n'avez pas commencé, le pays où vous allez avoir des citernes que vous n'avez pas creusées, le pays où coule le lait et le miel. Voilà l'esprit de la liberté. L'esprit de la liberté, dit Seigneur, est lié à l'esprit de l'abondance. L'Éternel te rend libre pour être dans l'abondance. L'Éternel te libère. Il te fait sortir des prisons pour te donner la paix, la délivrance, la joie en abondance. Une vie en abondance. Je veux une vie en abondance. Quelqu'un rappelle Perro Chakaroto, répète ceci avec moi là où tu es. Je veux une vie en abondance. Je veux une vie en abondance. Je veux Racha Rembaron de Chanda. Je veux une vie en abondance. Esprit d'abondance du Seigneur. Esprit de liberté du Seigneur. Touche ma vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je commande à tous les chaînes qui t'emprisonnent dans la pauvreté de tomber au nom de Jésus. Tous les démons de pauvreté, les démons de manquement, je les commande de brûler au nom de Jésus. Yaya, tu dois exploser dans le succès. Tu dois exploser. Je commande à la vie de quelqu'un d'exploser ce soir dans la promotion au nom de Jésus. Explose ce soir dans la grandeur. Deviens grand au nom de Jésus. Rabata raba sinere baraba. La boche arabasa. Il y a la grandeur dans l'abondance. Quand la bacha chacha, il verse l'huile sur ma tête, ma coupe déborde. Quand la coupe de David a débordé, il est devenu le plus grand roi qu'on a vu dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'huile de l'onction. Il a mis l'huile du roi sur la tête de David. Brando chez Carabondo, l'huile ne termine pas. J'ai dit que l'huile de Dieu ne termine pas. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Dieu ne donne pas un peu. Dieu ne donne pas comme un mendiant. Dieu lui-même n'est pas un mendiant. Il n'a pas des enfants mendiants. Rabashi Karabado, Dieu ne veut pas que tu sois mendiant parce qu'il ne s'intéresse pas aux mendiants. Dans la maison de mon Père, Jésus-Christ avait dit quelque chose. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Le demeure, ce n'est pas pour les mendiants. Le demeure, ce n'est pas pour le clochard. Le demeure, ce n'est pas pour les je ne sais pas qui. Le demeure, c'est pour le roi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors Dieu ne s'intéresse pas aux mendiants. Dieu veut que tu sois libéré de l'esprit de la mendicité. Dieu veut que tu sois libéré de l'esprit de la pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres.
pauvre dans leur cerveau. On t'a mis des mensonges dans le cerveau et ça bloque ta vie. Au nom de Jésus, pendant que tu es raboté, caraba, laisse que cette parole prophétique bombarde ton cerveau et que le forteresse de l'esclavagisme dans ton cerveau tombe. Au nom de Jésus, par le feu de l'Éternel, mon Dieu. Ja. Pendant que tu es connecté ce soir, pendant que tu es en train d'écouter ce soir, deviens riche. Pendant que tu es connecté ce soir, deviens riche. Que l'esprit de l'abondance te touche. Que l'esprit de la richesse te touche. Pendant que tu es connecté ce soir, que quelque chose se passe dans ton âme. Rebo, reba, rama, chobre, chanda. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es connecté ce soir, que quelque chose se passe en toi. Boum, 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 boum. Karabo, shiraba, karaba, la karine, daraba. Là où on t'a mis dans une bouteille pour te bloquer pour toujours. Je brise la bouteille au nom de Jésus. Yesu. Je brise la bouteille au nom de Jésus. Là où on t'a bloqué dans la bouteille pendant beaucoup des années. Raboshinda rabazababa. Je brise la bouteille. Je brise la bouteille au nom puissant de Jésus. Je déclare par le nom baba, c'est soit comme un prophète de Dieu. Je fais des déclarations dans vos vies. Je fais des déclarations dans vos vies. L'abondance de Dieu va te toucher ce soir. L'eau de la parole va t'arroser ce soir. La rabarabo, les démons de la sécheresse qui se cachaient dans ton ventre va fuir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, délivre-moi de la sécheresse. Oh mon Dieu, délivre-moi de la pauvreté. Oh mon Dieu, délivre-moi des manquements. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Commence à exploser. Raboche, pendant que tu me regardes ce soir, je déclare, Robende Sherabarondo, pendant que je suis en train de parler, quelque chose va se passer en toi. Quelque chose va se passer en toi. Quelque chose, Robende la honte va te laisser. Elle va fuir ta vie au nom de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix nu. Pour moi et pour toi. Il a Jésus est monté à la croix pour toi. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Jésus n'est pas mort pour les anges. Jésus n'est pas mort pour son père. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Jésus est monté à la croix pour toi et moi. Jésus a enlevé son habit de roi. L'habit de la guérison. L'habit de miracle. Il a enlevé cet habit. Pour monter à la croix nu. Et l'habit que Jésus a fait sortir de lui. L'habit que Jésus a fait sortir de lui. C'est l'habit du roi. Cet habit-là, la robe de Jésus. Jésus n'a pas pris ça pour partir avec ça au ciel. Jésus a laissé cet habit sur la terre pour toi. Et pour moi, pour que nous puissions porter l'habit du roi. Pas dommage, je sais que beaucoup de gens disent que ouais, quand moi je veux partir au ciel, ceci, cela, patati, patata. Non. Le show de la parole de Dieu, le chose de la parole du Seigneur, c'est pour maintenant. Le chose de la parole de Dieu, c'est pour maintenant. Maintenant. Que l'abondance te touche. Quand, Roger, une personne ne peut pas vivre dans le désert. Une personne ne peut pas vivre dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Quand on te prend naturellement comme ça, on te met dans le désert, là où il y a le sable. Toi qui as vu dans tes rêves que tu manges du sable. Toi qui as vu dans tes rêves, tu es en train de préparer automatiquement dans ta casserole, il n'y a que le sable. J'ai pris pour toi, sois délivré. Soit délivré de ces cauchemars. Soit délivré de ces démons de pauvreté qui veulent entrer dans ta maison. Ces démons de pauvreté qui cherchent à entrer dans ta maison. Je les lis ce soir. Pendant que tu es connecté à l'onction de mon ministère. Je lis ces démons. Je le chasse. Je le lis et je les ligote. Je les jette dans le feu. Soit délivré de ces cauchemars.
au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabom de Shirabandobo. J'étais en train de dire quelque chose. Dans le désert, tu ne peux pas vivre. Pourquoi? Parce que dans les déserts, il y a la sécheresse. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Alors, dans la sécheresse, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Non, si ton corps est dans le désert, automatiquement tu deviens malade, automatiquement tu risques de mourir. Si tu ne cours pas vite pour avoir de l'eau, tu risques de mourir. Voilà pourquoi on nous parle de l'abondance du Seigneur, même dans le corps, même dans ton corps. Ton corps a besoin de l'abondance, l'abondance de l'eau. Quand tu es dans l'abondance de l'eau, ton corps est guéri. Ton corps est guéri. Ah, que quelqu'un soit touché par l'abondance du Seigneur ce soir. Dans ton corps, sois touché par l'abondance du Seigneur. Dans ton corps, sois touché par l'abondance du Seigneur. Dans ton corps, je prie pour quelqu'un ce soir. Dans ton corps, sois touché par l'abondance du Seigneur au nom puissant de Jésus. Dans ton corps, sois touché. Rabore shikara barende shikara borome shindara yaro darabo. Dans ton corps, sois touché par l'eau du Seigneur, la sécheresse qui te rendait malade dans le corps. Je le lis ce soir. Je le lis ce soir. Je le lis ce soir et je le jette dans le feu. Je le jette dans le feu au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va dire avec moi ce soir, oh mon Dieu, je veux l'abondance. Je veux l'abondance. Je veux l'abondance au nom. L'abondance, c'est dans tous les secteurs de la vie. Quand on parle de l'abondance, Rebarobo Shikirabanda. Quand on parle de l'abondance, on parle de tout. L'abondance de la parole, l'abondance des révélations, l'abondance de la santé, l'abondance de la joie, l'abondance de la liberté, l'abondance financière, l'abondance des amis, des bonnes relations, l'abondance de l'élévation, l'abondance, le succès dans ton travail, le succès dans ta compagnie, le succès dans tes affaires, le succès au nom de Jésus. Oh, je veux l'abondance du Seigneur. Je branda bronde charomoko, toi qui es connecté ce soir, tous ceux qui rabondaient chez Taranda Korobenda, tous ceux qui étaient du diable dans ta vie et qui stoppaient ton abondance, je les commande de brûler. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Rebaromoshinde rabaraba. Je les commande de brûler au nom puissant de Jésus. Que ça brûle par le feu. Que ça brûle par le feu. Que ça brûle par le feu. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi par le nom puissant du Seigneur. Oh mon Dieu, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi de l'esprit des mendiants, délivre-moi de la disette, délivre-moi de la honte, par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, délivre-moi, délivre-moi, Raboshinde, Raboshinda, tu lui dis, oh mon Dieu, délivre-moi de la honte. Oh mon Dieu, délivre-moi de l'esprit de la mendicité. Là où on t'a mis dans la bouteille pour limiter ton succès. Que cette bouteille explose. Que cette okabonde shindaraboka. L'onction est sur ma tête. Yes, je déclare l'abondance en onction. Là où il ouvre aussi yaborende dabarobo. Sorende karomesi karaboroko. L'abondance est sur ma tête. L'abondance de Dieu est sur ma tête. Alors je déclare cette abondance dans la vie de quelqu'un. Jobore Shiga, ce soir, commence à vivre l'abondance. Ce soir, commence à vivre l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Rebashore, Rebashore, Rebashinda. Au nom puissant de Jésus. Le chose, le bonne chose de la parole de Dieu, c'est pour toi. Je dis à quelqu'un, le bonne chose de la parole de Dieu, c'est pour toi.
Bien-aimé, aide-moi, toi qui es connecté, aide-moi à partager pour qu'un frère, une soeur soit connecté aussi. Que l'abondance puisse toucher quelqu'un. Que l'abondance, c'est combien de minutes? Je regarde combien de minutes on a. Raboche, remandaba, robose, daba. L'abondance doit me toucher. L'esprit de l'abondance doit me toucher. Je suis candidat. Moi aussi, je suis la postérité d'Abraham. Moi aussi, je suis la postérité d'Abraham. Au nom puissant de Jésus. Robachindere, bachondere, maromo. Puissance du Seigneur. Esprit puissant de Jésus, tu pries avec moi. Tu dis, Esprit de Jésus, je veux l'abondance. Je veux la vie en abondance. Je veux, yes, c'est là, oh Baba, je parle de choses de la parole de Dieu. L'arabo shekira, la parole de Dieu m'autorise à faire cette prière. Pour quelqu'un ce soir, comme un prophète, je déclare une vie prospéreuse pour toi. Je déclare une vie d'abondance pour toi. Je déclare Boromosika, les démons de la sécheresse qui étaient assis sur toi. Je les commande de brûler. Je les commande de prendre feu. Je les commande de brûler. Je les commande de prendre feu. Je les commande de brûler. Je les commande de prendre feu au nom de Jésus. La parole de Dieu m'autorise. Jésus-Christ est celui qui est venu dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher une bonne parole aux pauvres. Remachika, toi qui es pauvre, sois délivré de la pauvreté. Sois délivré de la par le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'abondance du Seigneur te touche. Que l'Esprit de la joie du Seigneur te touche. Que l'Esprit de la guérison de Dieu te touche. Au nom de Jésus qui est le Christ. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. On appelle ça le changement du vin. Il a pris ce qui était pour toi. Il t'a donné ce qui était pour lui. Il a pris l'habit du roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme Jésus. Il n'y a pas. Tu ne peux pas trouver un autre Dieu qui enlève ses vêtements et il donne ça aux gens qui étaient esclaves. Les gens qui étaient dans le ténèbre. Les gens qui étaient perdus. Les gens qui étaient malades. Jésus le Christ. Oh Jésus, Jésus le Christ. Jésus le Christ. Il a enlevé ses habits du roi pour te donner. Jésus n'a jamais pris la robe là pour partir avec ça au ciel. Il est devenu pauvre du riche qu'il était. Il est devenu pauvre. En fait que toi, tu puisses être pauvre. En fait que toi, tu puisses être vêtu. Si tu refuses ces choses, ça ne va pas marcher pour toi. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu n'est pas comme un ces virus qu'il y a dans ce monde. Non, non, non. La parole de Dieu, tu dois l'accepter. Tu dois la prendre. Tu dois la manger. Tu dois dire, yes, c'est pour moi. Oh mon Dieu, je prends ces choses. Oh mon Dieu, je prends ces choses. Je le prends. Je l'accepte. Je le prends. Je l'accepte. Je mange ces choses. Je désire ces choses. Je les prends au nom de Jésus. Raboro Meshindaraba. Moi, je suis venu, dit le Seigneur. Je suis venu, dit le Seigneur, afin que le brebis ait la vie. Si tu es malade, c'est un démon qui essaie de manger ta vie. Kaborachindarabo, si tu es malade, c'est un démon qui essaie de manger ta vie. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation. Il y a des gens qui sont malades, ils laissent la maladie le tuer en disant que oh, c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu veut, verra Bundabada. Non, 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 non. Jésus-Christ est en train de nous parler ce soir. Jésus-Christ, ça c'est la parole de Dieu qui définit toute la Bible. Jésus-Christ est venu te donner la vie. Jésus-Christ est venu te donner la vie. Jésus-Christ est venu te donner la vie. Pas une simple vie, pas une vie de mendiant, pas une vie de pauvre, mais il est venu te donner la vie. Et que Kobaraba, et
qu'elle soit dans l'abondance. C'est la parole de Dieu. Alors toi qui aimes la parole de Dieu, reçois cette parole. Là où tu es, tu dis que yes, Jésus, je veux l'abondance. Je veux l'abondance. Rab, que l'abondance se manifeste dans la vie de toi qui dis amen. Que l'abondance, Yahweh, tu es très beau, tu es connecté à la parole. La parole de Dieu, elle va avec une vitesse rapide. La parole de Dieu n'échoue pas. La parole de Dieu, elle sait quoi faire. La parole de Dieu, c'est comme les missiles. La parole de Dieu, c'est comme un feu. La parole de Dieu, elle est vivante. Comme une épée à double tranchant. Il soutient toutes les choses par la puissance de sa parole. Par la parole de Dieu, sois béni ce soir. Par la parole de Dieu, deviens comblé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Rabron, brim, 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 deviens grand, deviens fort. Devakarabaron, déchia. Pendant que tu es connecté ce soir, commence à voir le succès. Commence à voir le succès. Comment yabarobe dikaga, tous ces démons de pauvreté qui était sur ton dos, je les commande de tomber par le feu. Tous ces Goliaths qui venaient manger ta moisson, je les commande de brûler au nom de Jésus. Je les commande de brûler au nom de Jésus. Je les commande de brûler au nom puissant de Jésus. Orababashinde. Je le commande de brûler au nom puissant de Goliath qui venait pour manger ta moisson. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Tout Goliath qui venait pour manger ta moisson. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu me donnes l'abondance et je suis dans l'abondance. Que l'abondance se manifeste dans ta vie. Que l'abondance se manifeste. Oh, quelqu'un, aide-moi à partager cette vidéo. Moi-même, je suis dans l'abondance. Yarabo, l'esprit de l'abondance me saisit. Robede Baraba, je continue. Rebaronda Shindera Borome, je suis dans l'abondance au nom de Jésus. Je suis dans l'abondance. Oh baba, de la tête aux pieds, je suis dans l'abondance. Dans mon esprit, je suis dans l'abondance. Dans mon cerveau, je suis dans l'abondance. Dans mon ventre, je suis Yerabose Roberenda. Je suis dans l'abondance. Dans mes poches, je suis dans l'abondance. Dans ma santé, je suis dans l'abondance. Yes, dans mon ministère, je suis dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus, l'esprit d'abondance est pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis dans l'abondance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il verse l'huile sur ma tête. Ma coupe déborde. Alors je suis en train de déborder avec l'onction de la parole. Je suis en train de déborder avec l'onction. Radé Karo Baraba. Je confesse ces choses. Toi qui es connecté à ce ministère, je libère cette parole dans ta vie. Pendant que tu es connecté ce soir, que l'abondance commence déjà à se manifester dans ton âme. Là où il y avait le pleur, c'est les choses du voleur. On chasse le pleur, on chasse le pleur, on charge, on met la joie abondante, la joie regera moroma. Il n'y a qu'un seul Dieu qui délivre, il n'y a qu'un seul Dieu qui bénit. Son nom, c'est l'Éternel. Djara, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Robanda Ramanda Robeshinde. Il n'y a qu'un seul Dieu qui bénit. Il s'appelle Jéhovah. Il est l'abondance d'Israël. Robeshinda, l'abondance, c'est Dieu lui-même. Il est le Dieu qui bénit la maison d'Israël. Oh oui, nous commençons l'histoire avec Sarah. Une femme qui ne pouvait pas avoir un bébé popi. Une femme qui ne pouvait pas avoir un bébé popi. Non, non, impossible. Et Rabou, elle était vieille et elle était stérile.
Est-ce que vous voyez d'abord où l'histoire commence? À partir d'une femme qui était vieille, une femme qui était stérile. L'abondance de Dieu est entrée dans son ventre. L'abondance sakabonde shira boromeda la barokerenda shatakoro. Que l'abondance de Dieu entre dans le ventre de quelqu'un. Robeshikaraborende rabaronde le labusinda raboro. L'abondance de Dieu est entrée dans le ventre de Sarah. Aujourd'hui, nous avons la multiplication d'Israël. Nous avons ce qu'on appelle la multitude d'Israël à partir d'une femme qui ne pouvait pas avoir un bébé popi. C'est la bruka le taramendinda. J'ai dit que c'est la puissance de l'Éternel, le Dieu d'abondance, le Dieu d'abondance, le Dieu d'abondance. Que le Dieu d'abondance te touche. Pendant que tu es connecté, pendant que tu es connecté ce soir, que le Dieu d'abondance te touche. Le Dieu qui a touché Sarah pour avoir toute la multitude d'Israël qu'on a aujourd'hui. Les enfants qui sont sortis. Multiplication d'Israël. L'abondance. Les enfants d'Israël étaient tellement nombreux. En Égypte, il y avait un roi qui voulait les tuer. Mais ils continuaient à naître dans un pays de l'ennemi pendant qu'ils étaient esclaves, pendant qu'on les faisait souffrir. Mais eux, ils continuaient dans l'abondance. Il y avait Romaine que cet esprit d'abondance te touche. Toi qui es connecté à mon ministère, pendant que moi, ton prophète, je suis dans l'abondance, toi aussi, tu sois dans l'abondance. Toi aussi, explose. Toi aussi, Yabaro Yobinderiba. Toi aussi, explose. Je suis dans la foi. Que l'abondance, Robisa Rominda Karome Shikara. Je suis dans la foi. Je suis dans la foi. Que tu es en train de saisir cette révélation. Je suis dans la foi. Que tu es en train de capter cette révélation. Je suis dans la foi. Roborenda, je suis dans la foi. Que tu es en train de capter cette révélation. Remachinda, quelqu'un aide-moi à partager ces vidéos. Aide-moi à partager ces vidéos au nom de Jésus. Aide-moi à partager. Je ne sais pas à partir d'où tu me regardes, mais aide-moi à partager ces vidéos. Connecte-toi avec cette onction ce soir. Que cette onction devienne une abondance dans ta vie. Que cette onction devienne une abondance dans ta vie. La Chida, j'ai été parlé des choses de miracle. C'est le miracle. Ce n'est pas le doigt d'un homme. Non, non. Il y a un esprit d'abondance. Il y a un esprit d'abondance. Quand cet esprit t'est saisi, tu ne peux que vivre l'abondance. Yes, je parle de l'abondance. L'abondance commence dans ton esprit. Rindaburu. Rideshira. L'abondance dans ton esprit. L'abondance dans ton âme. L'abondance dans ton corps. L'abondance dans ton cerveau. L'abondance dans ton cœur. L'abondance dans ta famille. L'abondance dans tes relations. L'abondance financière aussi. C'est complet. Il verse l'huile sur ma tête. Ma coupe déborde. Commence à déborder. Tu débordes à gauche. Tu débordes à droite. Commence à déborder. Commence. Oui, tu es en bonne santé. Tu débordes de la bonne santé. Tu es tellement en bonne santé que quand tu touches les malades sont guéris parce que tu débordes de la santé. Ta santé n'est pas 100%, mais tu débordes de la santé. Tu es tellement guéri que la maladie ne peut pas réfléchir pour visiter ta maison. Je suis guéri. Je suis dans l'abondance de la guérison. Nous avons 4 minutes pour terminer ce soir. Je suis guéri. Je suis dans l'abondance de la guérison. Au bronze, c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Quelle est la prière? Quelle est la prière que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean a fait pour nous?
dans Jean 3. Jean 1, 2. Je veux mettre ça à l'écran. C'est là où on va terminer ce soir. Nous allons terminer avec cette prière prophétique que l'apôtre Jean a fait pour nous. 3 Jean 1, 2. Nous allons lire ensemble. Je mets l'écriture devant, on va lire et on va... C'est là où je pense que nous allons nous séparer ce soir. L'écriture de 3 Jean nous dit ceci. Frère, je suis en train de prier pour vous. Trois Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Quelqu'un est connecté ce soir. C'est la prière que l'apôtre Jean fait pour nous. Il souhaite, je vais mettre la version, lui c'est bon aussi, c'est propre pour qu'on puisse comprendre ensemble. Il veut que tu prospères à tout point. Il nous dit que je veux que tu prospères à tout égard et sois... Et tout égard, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'abondance de la guérison. Et c'est ce que l'apôtre Jean prie pour nous. C'est spécial. S'il a prié pour nous. Lui, l'apôtre Jean, c'est lui qui était... On nous dit que les disciples que Jésus aimait beaucoup. C'est celui dans la révélation. Il est en train de prier pour nous. Il souhaite que nous puissions prospérer à tout égard et en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Oui, que ces choses se manifestent dans ta vie ce soir. Voilà ma prière d'aujourd'hui, la fin d'aujourd'hui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu sois dans l'abondance. Bien-aimé, je souhaite que tu sois béni. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je souhaite que la prospérité soit dans tes poches. Je souhaite que la prospérité soit dans ton âme. Je prie pour toi. Je prie pour toi. C'est ma prière de ce soir. Que tu sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance de la guérison. Soit dans l'abondance de la joie, soit dans l'abondance de la prospérité financière, soit dans l'abondance de prophéties, soit dans l'abondance de révélations, soit dans l'abondance de la parole de Dieu, soit dans l'abondance. Bien-aimé, je prie pour toi, toi qui es connecté ce soir. Que l'esprit de l'abondance du Seigneur te touche. La parole de Dieu, elle va avec une vitesse rapide. La parole de Dieu, elle vole avec une vitesse rapide. Là où tu es, sois localisé, sois bombardé par cette parole, sois béni par cette parole, sois béni par cette parole, que cette parole, la parole de Dieu est l'eau, la parole de Dieu c'est l'eau, que tu sois arrosé par cette parole de l'abondance, la parole de Dieu c'est l'onction, que tu sois arrosé par cette onction de la parole, et que tu puisses déborder, sois débordé de toute bénédiction. À tout égard, sois en bonne santé.
à tout égard, sois béni, sois dans la promotion. Vois ta promotion. Vois ta promotion. Vois ta promotion. Vois, tu ne vas pas faire ces choses avec tes doigts. Non. Tu ne vas pas faire ces choses avec tes muscles. Non. Tu ne vas pas faire ces choses avec ton intelligence. Non. C'est par l'Esprit du Seigneur. Voilà la parole de la prophétie. Par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour t'annoncer l'abondance. Que l'Esprit de l'abondance te touche. Au nom de Jésus. La montagne de la pauvreté qui était devant toi. Que cette montagne fuit ta vie au nom de Jésus. La montagne de pauvreté qui était devant toi. Je commande à cette montagne de fuir ta vie immédiatement. La montagne doit être aplanie. La montagne de pauvreté. La montagne de manque. La montagne de pauvreté. La montagne de manquement. Elle doit être aplanie ce soir. Pas par le muscle. Pas par la force. Mais par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Oh yes, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne parole à quelqu'un ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de l'abondance est sur moi. Je libère cet esprit d'abondance pour faire tomber les Goliaths qui mangeaient ta moisson. Pour faire tomber les Goliaths qui mangeaient ta moisson. Pour faire tomber les Goliaths qui mangeaient ta moisson au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis béni. Répète avec moi. Je suis béni. Je suis béni. Je le déclare. Je suis béni. Et laissez-moi déclarer sur quelqu'un ce soir. Oh, je le déclare sur quelqu'un. Pendant que tu me suis, je prophétise la bénédiction dans ta vie. Pendant que tu me suis ce soir, je prophétise la bénédiction dans ta vie. Le bien-aimé, bien-aimé, si l'apôtre Paul a fait cette prière, je suis autorisé à faire la même prière pour toi, comme un apôtre. Parce que des fois, ce que Jésus a fait pour nous, on vient, on le vole encore. Mais saisis cette révélation, qu'on ne puisse pas te voler cette révélation. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y avait pas, Jésus-Christ allait nous dire que oui, vous allez monter au ciel, vous allez dormir par terre, vous allez dormir dehors, vous allez dormir en bas de pont, vous allez être les sans domicile fixe au ciel. Non. Il n'a pas dit cela. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça, c'est l'abondance. Il y a plusieurs. Le demeure, ce sont les maisons des rois. Quand tu vis dans un petit appartement, on n'appelle pas ça un demeure. On n'appelle pas une maison là sur une avenue un demeure. Non, ce n'est pas un demeure. Le demeure, c'est la maison du roi. Et Jésus nous dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup, il y a plusieurs. L'abondance, c'est ça la tête de Dieu. Dieu vit en abondance. Dieu réfléchit abondance. Dans le cerveau de Dieu, il y a l'abondance. Il est le Dieu de l'abondance. Reçois l'abondance. Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Restez dans cette abondance. Pendant que tu brumes, restez dans l'abondance. Nous avons fait déjà notre une heure. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. On continue demain avec la même révélation. Cette semaine,
tu vas manger la parole de l'abondance. Ça va gonfler dans ton ventre, ça va sortir dans les nez, ça va sortir dans la bouche, ça va sortir dans tes mains, ça va se manifester dans ton compte bancaire. L'abondance va se manifester. Pendant que tu écoutes cette parole, Ramachine de Rema, je suis rempli de révélations, mais je m'arrête par là. Soyez bénis. Bye, 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 bye. À demain, à demain, à demain. On va continuer dans l'abondance en demain. À demain, à demain. Soyez bénis. Partagez, partagez, partagez. Même si c'est la fin, aide-moi à partager pour bénir quelqu'un. Nos frères et sœurs qui sont au lit, qui sont encore dehors, ils vont être bénis par cette révélation pendant que tu le partages. Bye, 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 bye.